Donc attendez le message de la parole de Dieu que pasteur Jean a déjà annoncé dimanche sur la venue de Jésus-Christ. Maintenant, c'est frère Jimmy Jean-Jacques qui a une responsabilité pour nourrir nous avec manger spirituel ce matin. Est-ce qu'on prêt pour t'en déparler ça le matin? On dit parler ça le nom. Laver à l'eau vivant. Nourris ma parole vivante, tout ce vivant Dieu vivant, tout autant elle est vivante. Dis ça encore. La vie, la gloire vivante, nourris ma parole vivante. Seigneur, matin, nous vivons. N'attendons pas une parole nous-mêmes. Une parole de foi. Une parole qui pour réconforter nous. Une parole, Seigneur, qui pas que nous pouvons entendre. Même là, nous pouvons entendre le Seigneur, mais pour le paraître tout neuf matin. N'attendons pas d'autant plus. Utilisez serviteur qui peut parler. Et Seigneur, pas quitter le parler selon lui-même. Pas quitter le parler selon connaissance lui. Pas de parler selon sa lié, mais déshabiller le Dieu de l'homme charnel, mais revêtu le Seigneur avec pouvoir cet esprit par. Que les anges ont entouré lui par devant et par derrière, sous côté lui au Seigneur, afin que lui capable de parler parole au matin avec autorité. Au nom de Jésus qui vient règne dans tous les siècles des siècles. On nous acclame la présence de Dieu dans la vie, frère Jimmy, pendant la passe de ton micro pour le message de la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse. L'Église, bon Dieu bénisse. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le jour qui passait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure comporte de la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévoré par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, puissant, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Merci, notre Chita. Quand un enfant est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Y a un peuple qui t'a marché dans le fait noir, voyant gros lumière.
yon peuple qui t'a marché dans le feu noir, ouais, yon gros lumière. Ça, c'est sujet nous gagnons, n'a traité au cours du mois de décembre, ça. Et pasteur, t'es déjà fait introduction, hein, dimanche là. Et je dis, c'est un privilège pour moi-même, pour me capable, c'est une intervenant dans ce sujet, ça. Peuple qui t'a marché dans le feu noir, joignez en gros lumière. Je dis, vous n'avez pas besoin d'attendre que vous puissiez parler de la fête de Noël. Pour me raconter que Jésus-Christ était venu, il était dit fête non pas bête. Parce que depuis l'année où tu es petit, je t'ai déjà raconté notre histoire, ça. Mais je dis à moi, je suis venu seulement pour me dire que est-ce que vraiment vrai, on ressentit que on a la lumière de Dieu? Est-ce que vous sentit que peuple, même Jean-Paul l'a dit à peuple qui t'a marché dans le feu noir, lui retrouver la lumière? Est-ce que vous-même qui chaque matin là, vous sentiez vous retrouver la lumière que Jésus-Christ libère? Moi, je viens présenter la lumière de Jésus-Christ. Et si nous faisons une bref définition de ce dictionnaire dit de la lumière, il dit comme ça que tout ce qui sert à éclairer, par exemple, nous avons la clarté du soleil, la clarté de la lune et d'autres sources lumineuses. Et dans le sens figuré, nous allons pour nous écouter que lui dit également que c'est celui qui éclaire l'esprit, à savoir, pour ça éclairer l'esprit, nous allons, ça éclairer l'esprit, nous allons, savoir et connaissance. Et donc, regardez de connaissance, si nous regardons dans le sens spirituel ensemble avec vous, ou même qui chita là, nous voulons vous prendre que, au besoin, gagner la connaissance de la parole de Dieu. Et la lumière que Jésus-Christ est venu pour te porter pour moi et ma voix là, il est épuisé de la connaissance de la parole de Dieu. Et ça fait c'est une raison lorsque Jésus-Christ est qu'on a enseigné le peuple là. Et puis ça, c'est qu'on a dit, oh, c'est lui-même qui te tenait prêt pour te caler. Et c'est même parole ça, yo, qui te froissé. Et les Israélites qui rendent que, yo t'es venu, yo t'es al, rendent même tuer le sur un croix. Je dis à moi, je vais demander, oh, est-ce que, ou même qui chita là, où est vraiment vie? L'aime pas de est-ce que vous sentez ouais, parce que vous êtes capable à regarder à yeux physiques, ouais, Frère Dimitri, ouais, Maître Lantinère, mais pourtant, ça c'est un yeux physique, mais yeux spirituels, est-ce que vous ouvrez? Est-ce que vous parlez ouais que, est-ce que peut-être vous êtes capable de chaler, mais par conséquent, ou aveugle spirituellement? Et si vous avez un exemple, il y a un monde qui est aveugle du point de vue physique, ou te mette lumière tout en poule ça yo là, c'est en vain. Li pa ka wè rien. Ou te mette wè soleil là t'éclairer comme ça, li pa capable ouè. C'est même gens qu'on comparer aveuglement spirituel ou capable peut-être avec deux yeux li calé, mais pendant ce temps que ou pas ouè. Parce que depuis on manque de la connaissance de la parole de Dieu ou pas ouè spirituellement. Est-ce que vous réalisez ou aveugle spirituellement? Ou bien, ou est, je dis à. Si je dis à nous, dans une saison, côté qu'il y a parlé de fête Noël, ou réalisez ou toujours, il y a un engagement, peut-être chaque année, ou pour payer un gage pour assurer la vie, on est capable de dire au matin, ou c'est un monde qui est aveugle spirituellement. Pour fête de Noël, surtout nous-mêmes en Haïti, il y a dans plusieurs aspects, et chaque monde qui fait de la façon pareille. Mais ou même qui chita là, ou pas qu'à fêter le même genre avec païen yo. Parce que païen yo, yo même yo fêter de façon païen yo. Mais ou même on doit garder ça comme, étant donné, étant un sauveur qui est venu à la croix, il est venu, il est passé mentir, il est passé douleur, il est prend souffrance. C'est-à-dire, il a parlé de souffrance, il a parlé de persécution, il compte qui s'allier. Parce que lui-même, il est passé par l'étape ça yo. Et je ne j'en dis, si on persécute Jésus-Christ notre Seigneur, il connaît même Jean, ou il connaît là. Nous n'en mi-moi des semblants. Si je prête ma attention bien, comme je sais qu'on fait à la coutume, ou quoi que des gens qui soient qui se traitent à la ville, ils ont tout bien pour venir monter en dehors. Les remonter en dehors comme ça. Est-ce qu'on pense que naturellement, ils ont monté en dehors pour aller à la famille seulement? Gagné qui montait, il y a la famille.
Mais gagner tout, c'est renouvellement de engagement que vous avez pour faire chaque année. Ou même si vous si peut-être quelqu'un, vous réalisez que vous n'avez pas engagement que vous payez chaque année. Vous réalisez que c'est en grâce. Et si toutefois, par exemple, tout, ou t'as l'assemblée, ou qu'on a habitué à faire genre de bagaille ça, ou des engagements à renouveler chaque année pour assurer vie, moi je viens de dire au matin, ou avec spirituellement, ou avec ou dans le fait noir toujours. La lumière que Jésus-Christ a parlé de lui-même matin, je viens de dire que ou pas fait partie de monde qui ouais, ou avec spirituellement, c'est vrai, deux yeux, on est capable de caler, mais pourtant, ou avec. Si je dis à Jésus-Christ, il m'a mis levé, il sortit vivant dans la mort. Le wap priye mon Dieu, wap priye mon Marie, wap priye mon monde qui n'en tombe même j'en ensemble avec l'autre monde qui mourit déjà yo, ou avec spirituel. Parce que Marie n'en tombe là, ou pas qu'à prier pour dire maman Marie, priez pour moi. Priez pour moi, elle dit l'autre, priez pour moi. Ou bien un seul monde, ou capable de prier, ou prier le Père, dans le nom Jésus-Christ. Si je ne j'en dis pas, ou qu'on habitue dans la pratique ça yo, moi, je vous dis que spirituellement, ou aveugle. Si je dis, on a cherché bien, on a cherché bien chance pour deviner pour la vie petite. Il y a des gens, les anniversaires, ils ont cherché, ils font bagaille quand même pour chercher chance, surtout pour les anniversaires petits. Il y a des gens qui ont dit, on fait main avec champagne, on fait conseil. On a là, on a ténèbres, ou pas dans la lumière de Dieu, on a parlé, je dis. C'est ça que Jésus-Christ est venu, il a venu enseigner le peuple là. Il a enseigné de bagailles, de coutumes que en cette vie, on était pour pratiquer. Si je ne vous dis pas, peut-être étant que chrétien, malgré ça, ou toujours attaché à qui on série de. Ou attaché avec un diable d'habitation, grand-parent, ou toujours à protéger. C'est l'histoire qui a fait, c'est vrai. Ou dit ou c'est chrétien, ou pas venu pasteur, ou pas venu prédicateur, ou pas venu faire la ouel, mais on voit l'argent aller. On voit l'argent aller quand même. Parce que la lumière que Jésus-Christ va parler aujourd'hui, ou pas fait partie du monde qui ouest spirituellement. Ou besoin de débarrasser ou de bagaille ça, lorsque vous apprenez, lorsque vous parlez de Jésus-Christ, pour réellement, pour ne pas tromper le monde. Ou pas tromper tête, ou pas tromper tête, ou pas tromper le monde, parce que c'est bon Dieu qui connaît le monde. Ils sont les cœurs et les reins. Et tant que chrétien, je dis, ou ne pas compter sur chance, ou pas compter sur chance, mais on a besoin de compter sur la grâce de Dieu. Parce que mon bon Dieu, pas compter sur chance, ou compter sur la grâce de Dieu. Si je ne dis pas, bon Dieu, vous voulez faire une grâce, vous voulez me posséder ça, vous voulez bien ça, vous voulez bien ça. C'est grâce que le fait. Mais pas qu'à chercher chance, pas qu'à chercher bagaille qui pourra l'attacher avec des choses impures. Ou pas qu'à chrétien, et puis vous mettez dans la tête que le monde est capable de faire. Parce que étant que chrétien, la Bible dit moi-même avant, l'enchantement ne peut rien faire contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant manqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de l'Éternel. Si toutes les fois où chita là, vous pensez que y a un monde capable de faire, vous manquez un bagage. Vous manquez un bagage. Repassez la vie. Ressondez la vie. Ressondez la vie. Et tant que chrétiens ont besoin d'attribuer avec des versets bibliques, si nous-mêmes, si nous n'avons pas un païen, vous gagnez un livre magique à lire. Si vous gagnez bagaille pour vous faire interpellation des deux mondes, ou même lorsqu'il y a persécuté, ou bien la parole de Dieu comme boussole qui vous combat avec tout le monde qui combat avec vous. Parce que, étant que Dieu, le monde qui a fait interpellation à diable, et ça fait c'est une raison où grand tout, les Bibles parlent tout, parce que le monde ça la Bible dit. Et ça fait chaque fois même avant un péché, lorsque Satan vient pour l'accuser, l'a dit, il est écrit. Mais bon, Jésus-Christ a répondu, il est aussi écrit. Il est campé à droite, papa, étant qu'il y a un avocat qui a intercédé pour moi ensemble avec lui. Et si dans les plus loin, il a regardé, lorsque Pierre n'a chute lui, et puis Pierre l'a chuté, n'a chute lui, Satan a réclamé l'homme Pierre. Et Jésus-Christ parle et dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment.
mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Moi, je m'envoie que Chichana nous gagne un objectif ça dans la tête nous. Pour nous connaître que lorsque dans la période de chute nous, nous avons un avocat qui a racheté nous, qui a pris l'aide pour nous, qui a fait nous, qui a racheté nous, laissé à commander nous dans le monde invisible. Ce n'est pas la revanche pour nous tirer avec autour. Parce que automatiquement, même qui a la parole de Dieu qui dit que c'est chrétien, vous fourrez merde dans les choses impures, vous allez mourir. Et si je vais aller plus loin, sans pas aller souffrir la vie de Saül, c'est même bagaille ça qui est arrivé. Lorsque bon Dieu a abandonné, et puis par conséquent, la lumière est mort. Si vous êtes chrétien, vous n'avez pas mort. La lumière n'a pas l'air, pas pour vous. Ou besoin de deviner ça qui est venu dans la vie. Lumière n'a pas l'air, pas pour vous. Et tant que chrétien, on connaît que, même Jean-Jérémie te dit, dans Jérémie 1er, le verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Au besoin des passages bibliques comme Psaume 54, verset 1er, de David qui dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Au besoin, passage Isaïe, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tous les esprits qui domine contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les princes, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Au besoin, passage ça yo, comme pour faire combat spirituel yo. Au besoin, passage ça yo, pour faire combat spirituel yo. Pour qu'on ait tant que chrétien. Même Jean Galates chapitre 6, le verset 17 dit que personne désormais ne nous fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les blessures de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Faut qu'on ait que blessure Jésus-Christ qui t'est coulé pour moi, ensemble avant là, l'incarné dans le fond, l'incarné dans la porte de la caillou, dans le business, dans le travail. Lorsque méchant a cherché pour faire du tort, pour qu'on ait que au bon saut, ou pas capable d'agir même dans l'autre, et là, ça va capable parler de la lumière de Jésus-Christ. Moi, ma voix qui est là, nous avons le devoir pour nous apprendre à nous compter sur mon Dieu. Israël, malgré que Jésus-Christ est béni, il est témoin de tout ça qu'il a fait. Mais vu que il a gardé, c'est parce que le début fait dans un pack bête. C'est parce que le fait dans une famille pauvre, aux petites familles jaunes, qui est parti charpentier de Nazareth là. Est-ce que c'est pas. Petite Marie, pauvre, la même capacité de gagner pour même payer une place dans un hôtel. Et puis lui-même qui t'a parlé pour dire, moi c'est Messia, moi c'est mon cap venir. Malgré ça, et la Bible montre que Jésus-Christ y a parlé, il montre que le pape a un visage qui rayonnant. Et ça fait c'est une raison, il n'y a pas apprécié lui. Il n'y a pas d'apprécié, il dit, mon nom, ça va la cabine sauveur. Non, la famille sociale, la cabine sauveur. Il est rejeté. Il était rejeté, Jésus-Christ. Il a rejeté Jésus-Christ. Et c'est une raison qui rend que jusqu'à présent, il est dans la tourmente. Ou même qui chita là, il y a un heureux privilège. Ou pas témoin de miracle Jésus-Christ a fait Dieu. Ou seulement entendre parler de Jésus-Christ à travers la Bible. Ou seulement croire. Ou faire bon Dieu confiance. Mais dans la croyance, je souhaite que vous soyez sincère. Je souhaite que vous soyez sincère. Parce que vous avez une bénédiction sur la vie déjà. Première bénédiction que vous avez sur la vie, c'est parce que vous n'avez pas de témoin. Et vous juste accepter. Vous juste accepter que Jésus-Christ a parlé. C'est lui-même qui vient pour venir sauver. Israël a refusé la lumière. Jésus-Christ là. C'est ça que c'est une raison. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ vient pour le retourner, pour le venir juger les nations, il va venir juger nous avec un verge de fer. C'est ça le dit dans la parole. Je ne sais pas vivre dans un pays, peut-être dans le monde, dans plusieurs pays, où pratiquer la démocratie. Mais Jésus-Christ règne par là, il a venu dominer. Moi, ma parole, il va nous pouvoir pour nous aider à gouverner avec un verge de fer. C'est va. Démocratie à la fin, c'est pas théocratie.
Ou pas bien pouvoir pour revendiquer encore. Ou pas bien pouvoir pour dire ah. Hein? On fait affaire, chaque monde a fait affaire par eux. Je ne veux pas dire la religion constitue une guerre dans le monde. Là. Et c'est une raison que Martin Luther était venu avec le, la réforme protestantisme. Pour qui ça? Dans l'église catholique, il était toujours à faire mon yo comprendre que si vous péchez, je ne veux pas dire. Depuis que vous venez payer. Hein? Vous payez, c'est la vente des indulgences. Hein? Depuis que vous payez, paye à dégager quand même. Faute là. Et c'est ça qui était jusqu'à présent. Malgré mon yon mourir, il y a toujours un merci à chanter pour lui, merci libéral. Pour retirer le nom. Hein? Pour le retirer le passé dans le purgatoire, aller dans le paradis. Non. Ou pas de bagaille ça. Ou sous chita la matin. Ou maintenant tête tout. Après la mort, il faut retirer le séjour des morts pour mettre l'autre côté. On a erreur. La lumière que Jésus qui s'est parlé là par pour vous. Et ça fait heureux privilège de jour aujourd'hui. C'est dès maintenant. C'est bien malheureux, nous toute la noire, nous prenons assister à funérailles, sœur Esdras. C'est vrai, c'est un bon bagaille. C'est un dernier mot. C'est un vétéran. Nous là, nous venons saluer des Paul. Parce qu'il était un vétéran dans l'œuvre de Dieu. Mais pas maintenant, tous ces funérailles, là, ils font travail pour lui. Côté le gars, il a dit qu'on allait déjà. Son bras, il fait là, on fait pour la société, pour la famille. Mais, le gars, il fait aussi déjà. Li a le fait aussi déjà. Et ça fait, inévitablement, ou besoin qu'on ait bagay sa yo. Si on va marcher, si pasteur Ezekiel n'a doctrine l'église a dit ou que, hein, li ka fait messe pour le retiro, pour aller mettre ou, n'a pas dit non, ou pas de là, parce que la prêche ou, yon ténèbre. La parole de Dieu qui a parlé journée aujourd'hui, lumière que Jésus-Christ in baila. C'est lumière ça. Lumière de la parole, de la sanctification. Pour qu'on ait que. Pour qu'on ait que c'est depuis qu'on y a. Et lorsque la lumière là, elle est entrée, elle met des divisions. Comment elle met des divisions? La Bible dit comme ça que je ne suis pas venu dans le monde pour vous apporter la paix, mais l'épée. Et l'Europe décrit, lui montre que épée à main comment elle est venue. Si je ne vous dis, moi c'est chrétien. Et puis tout à coup, je ne suis pas chrétien, ok, papa m'a marché dans les boches. Et puis par conséquent, je dis à moi la lumière, la parole de Dieu a prêché, elle convainc moi. Et puis par conséquent, moi j'ai accepté Jésus-Christ. Et mes papa m'a dit, a soi-disant, n'a pratique aucune de magie, moi viens constituer un ennemi pour lui. Et la Bible est plus loin, elle dit, bénédiction pour chaque monde qui a abandonné maman, qui a abandonné papa. Juste pour faire volonté. Et il déclarait que dans le siècle présent, avant même que Jésus-Christ retourne, on va gagner des récompenses en abondance. Et ça fait que c'est une raison, je vous dis à moi, je vais encourager pour qu'il y ait un flambeau l'évangile là-haut. Côté où il y a assez la place où il y a. Ou pas bon l'autre côté pour garder. C'est vrai, dans l'évangile, il n'est pas tout à fait facile. Au cap sorti là, le matin, là, où tu es bien disposé, peut-être quelconque. On sait pas à déranger, mais pas pour arrêter à terre. La lumière que Jésus-Christ lui dit, il met des divisions dans la famille, dans la madame, dans le monsieur. Ça, c'est bon division. Parce que la Bible dit, enfant, ou même qui est là, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Femme, obéissez à vos maris selon le Seigneur. Si par exemple, maintenant, là, bleu, moi, j'essaie de me faire la paix avec Jésus-Christ. Par conséquent, ma vie, pas d'accord. Si je désobéis, je vais accepter Jésus-Christ. Ça, c'est un bon bagage que je fais pour Jésus. C'est dans ce sens ça, l'évangile, la vie, mettez en épée, entre moi-même, ensemble avec vous. Étant donné que l'œil a dit à ma chine, c'est bien malheureux, je ne vais pas arrêter en plus pour inculquer plus de passages. Mais m'espérer que y a une autre occasion m'a bien pour me parler plus de Jésus-Christ. Seul madame faire oublier au connaître Jésus-Christ était venu, il était passé. Il fait dans un parc bête. L'air est venu en ville préparer pour moi ensemble avec vous.
Lui montrer nos chemins parcours la vie à travers prédication lui. Et lui fait des disciples. Et lui dit moi m'avoir qui était pour nous continuer à faire des disciples. Et c'est bagarre ça nous gagner comme devoir. Mais nous gagner pour le venir, pour venir chercher moi ensemble avec. C'est objectif ça, ou même qui est là, si on fête, on fête de Noël. Ou gagner objectif ça dans tête que Jésus-Christ soit célébré. La naissance de Jésus-Christ est devenue pour te porter la paix, bonheur. La paix que les hommes ne peuvent pas. Parce que les hommes disent la paix, c'est la guerre. Mais le monde qui est pour lui, la paix éternelle, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est bon Dieu de nous.